Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope 2024 pour le signe de la Balance. Donc comme pour les autres signes, hein, à chaque fois je répète, donc je fais ce qu'on appelle un horoscope solaire pour tous les signes du zodiaque. Donc c'est un horoscope dit général. Ça ne remplace pas la consultation avec un astrologue où vous aurez plus de précision avec votre thème personnalisé, donc un horoscope personnalisé avec votre thème de naissance. Donc là, vous aurez que un aperçu des influences, on va dire, générales sur ce signe. Donc on va prendre les trois décans de la balance. Donc les premiers décans sont les natifs nés du 24 septembre au 4 octobre, de manière générale, selon les années, hein. Ça peut être décalé de 1 ou 2 jours à peu près, sur votre année de naissance. Les deuxièmes décans sont les natifs nés du 4 octobre au 14 octobre et les troisièmes décans sont les natifs nés du 14 octobre au 23 octobre, de manière donc générale. Donc bah, je vais commencer par le premier décan du signe de la Balance. Alors donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les natifs premiers décans du signe de la Balance? Donc vous aurez votre Soleil qui fera un beau trigone à Pluton en Verseau du 22 janvier au 1er septembre et du 20 novembre au 31 décembre, hein, de manière générale. Donc surtout ceux qui sont concernés, c'est vraiment les premiers décans du signe de la Balance, donc vraiment les natifs nés du 24, 23, 24, 25 septembre quoi, à peu près. Les autres, ce sera plus tard, hein, les années suivantes. Donc vous aurez vraiment un aspect de régénération, de transformation, comme si vous avez démarré comme un nouveau départ en fait dans votre vie. Donc il y a quelque chose de très très important là pour vous, très positif. Donc il y a des remises en question profondes, des changements qui peuvent être salutaires, ça peut être des nouveaux contacts, des nouvelles amitiés, par exemple en Verseau, mais pas que. Donc ce sera à suivre, hein, parce qu'il y a des événements dans votre vie qui peuvent vous amener du baume au cœur. Donc très positif en ce début d'année. Ensuite, vous aurez donc le Soleil quinconce à Neptune du 1er janvier au 1er mars. Alors là, en revanche, enfin, une petite dichotomie entre votre volonté et le principe d'idéalisation, comment dire, de tout ce qui est impalpable en fait. Neptune, c'est la planète de l'invisible. Donc attention aux mauvaises intuitions, vous pouvez un peu vous faire des erreurs de jugement par exemple, un peu se tromper dans certaines idées, dans certaines choses auxquelles on imaginait. Donc, il peut y avoir des légères déceptions, par exemple, avec un homme, un père, un mari ou une autorité, par exemple. Donc, on peut se tromper aussi dans certains, va faire des erreurs de jugement, mais c'est vraiment léger. Pareil, vous avez le Soleil quinconce Jupiter en taureau du 1er janvier au 21 juillet. Donc, pendant le premier semestre, là, vous serez un peu dans une période un peu de facilité, d'excès légère. Donc attention aux dépenses, notamment matérielles ou financières par exemple, en taureau, mais pas que. Selon votre thème, ça peut être, voilà, il peut y avoir ce côté un peu suffisant, un peu trop confiant en soi, ou des choses comme ça. Mais encore une fois, c'est léger, donc vous ne le sentirez pas forcément de manière très importante. Ensuite, vous avez Soleil Trigone à Jupiter en Gémeaux du 26 mai au 10 juillet. Donc là, en revanche, plutôt positif pour s'intégrer dans des communications, des échanges. Il y a beaucoup d'échanges envers vos proches, vos contacts, votre voisinage ou que sais-je. Toutes vos relations, il y a quelque chose d'un effet très positif, très enthousiasmant, très bénéfique. Vous sentez avec beaucoup d'entrain, beaucoup de chaleur humaine, en train de communiquer aisément, on est bien compris, tout coule de source, hein, donc tout se passe bien. Vous sentez vraiment une adéquation dans les échanges avec autrui. Donc c'est un aspect de bonheur et de satisfaction, de gratification. Donc ça peut être aussi dans des déplacements, des voyages, des choses comme ça. Donc ça peut être très positif. Ensuite, vous avez le Soleil carré Mars en Capricorne du 5 au 18 janvier. Donc là, attention, ce début d'année, il peut y avoir un peu de tension, d'énervement, de l'agacement. Peut être irrité, irritable, donc attention au risque de conflit, même si vous n'aimez pas ça, ça peut arriver. Donc vous pouvez agacer peut-être une autorité, ça peut être dans le travail, où vous n'arrivez pas à mettre en pratique certaines choses qui peuvent vous énerver, donc gardez votre calme. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Verseau du 14 au 27 février. Donc là, en revanche, bon aspect pour les échanges, pour agir pour autrui dans un groupe, un collectif, donc. Beaucoup d'échanges avec autrui, hein, signes d'air tous les deux, hein, Verseau, Balance, comme
Donc là, c'est vrai que là, c'est important pour mettre en place, par exemple, certaines réformes, certaines choses que vous avez envie de faire dans des groupes. Voilà, dans tout ce qu'on rapporte avec le collectif, ça peut être bien vécu. Ensuite, Soleil quinconce Mars en poisson du 23 mars au 5 avril. Donc là, en revanche, attention, légère tension, dichotomie, encore une fois, entre ce que vous voulez faire, ce que vous mettez en place, comment vous agissez. Hein, ça peut tomber à l'eau, donc il peut y avoir des petites incompréhensions, des mésententes. Donc attention de ne pas se tromper dans les causes qu'on croit faire. On peut avoir des erreurs de jugement, encore une fois. Donc ça peut être des actions qui tombent un peu à l'eau, qui ne sont pas comme vous espériez. Donc attention, encore une fois, on risque peut-être de légères tensions avec autrui. Pareil, Soleil opposé Mars en Bélier du 1er au 14 mai, là encore une fois, forte tension dans l'affirmation de soi avec les autres, ça peut être qu'un père, un homme, une autorité. Donc il peut y avoir des tensions là, des conflits d'ego assez importants. Donc attention vraiment aux disputes, aux querelles, parce que ça peut être assez agressif là à ce moment-là. Soleil quinconce Mars en Taureau ensuite du 10 au 22 juin 2024, donc là nouveau une petite tension légère sur votre façon d'agir, de faire. Vous voulez peut-être agir dans le domaine matériel financier ou peut-être dans un but prolifique, être très productif, mais ça peut être mal perçu ou mal être fait. Donc ça peut créer des petites tensions, des petits agacements, c'est pas méchant. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Gémeaux du 21 juillet au 5 août. Donc là, en revanche, c'est une très bonne énergie pour agir en fonction de vos idées. Donc là, ça va comme sur des roulettes. Donc vous êtes très, très alerte, très intelligent. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place facilement. Vous agissez avec pragmatisme, avec habileté, dextérité, astuce. Et de manière très intelligente et maligne. Donc soyez perspicace. Hein, c'est assez positif à ce moment-là. En revanche, Soleil carré Mars en Cancer du 5 au 23 septembre donc 2024. Donc là, attention à nouveau à des risques de tension dans vos relations. Alors ça peut être aussi en famille, hein, le Cancer, mais pas que. Donc Mars est en chute dans ce signe. Donc attention à l'agressivité due à des actions émotionnelles un peu irréalistes ou irréfléchies ou un peu irrationnelles, on va dire. Donc, ne pas s'emballer, ne pas rester calme et serein pour que ça se passe le mieux possible. Mais voilà, il peut toujours avoir un risque de dispute, malheureusement. Soleil sextile Mars en Lion, en revanche, du 5 novembre au 31 décembre. Donc, la très bonne énergie pour agir en fonction de vos idéaux, de votre volonté, avec cœur, avec générosité. Donc, c'est bien pour les relations amoureuses, mais pas que. Ça peut être bien pour agir dans tel ou tel domaine, pour le sport ou autre. Donc, beaucoup d'énergie à revendre, à se montrer, donc agir de manière conquérante et ben, de manière courageuse. Donc, là, c'est assez positif. Soleil opposé Nonnor ensuite en Bélier du 25 juillet au 31 décembre. Donc, là, en revanche, il peut y avoir un aspect de karmique, hein, parce que le dessus des conjoints votre Soleil. Donc ça peut réactiver des choses du passé sur un père, un homme, sur vous-même. Il y a des choses qui peuvent vous tirer un peu vers le bas, peut-être trop dépendant vers autrui, donc apprendre à s'affirmer plus, parce que ça peut créer comment dire, des mésententes ou de l'hypocrisie, voire des conflits dans le pire des cas. Mais bon, à voir comment cela peut agir selon votre thème. Donc ça peut avoir un impact sur votre évolution de vie, entre guillemets. Ensuite, Soleil conjoint Lune noire en balance du 30 juin au 28 septembre, donc dans votre signe. Donc là, vous aurez quelque chose à sublimer pour vous sentir bien dans votre peau, avoir le moral, avoir réparé certaines choses de votre vie. Alors, c'est par des rapports avec le couple, avec les relations, hein, il peut y avoir des choses à revoir, il peut y avoir des zones d'ombre. Donc tout dépend comment cette conjonction est reçue. Hein. S'il y a des mauvais aspects, forcément, il peut y avoir des dettes karmiques avec autrui dans le couple ou autre. Donc des conflits, des zones d'ombre, mais si c'est bien vécu par des choses réparateurs et qui vous permettent d'être beaucoup plus en harmonie avec les autres et de vous sentir bien et combler certains manques dans les rapports aux autres. Donc voilà ce que je peux dire pour le premier décan du signe de la balance. Alors ensuite, le deuxième décan du signe de la balance, donc vos influences pour 2024. Alors vous aurez votre Soleil quinconce à Uranus en Taureau du 1er janvier au 13 mars. Donc là, ça peut donner une
petites difficultés pour vous affirmer, pour vous sentir plus libre. Donc il peut y avoir un peu un côté un peu de tension légère, pas fort, mais voilà, vous voulez vous démarquer. Donc on peut se sentir un peu irritable, voire un petit peu rebelle. Donc on peut faire valoir un peu ses droits et peut revendiquer sa liberté. Vous aurez aussi le quinconce à Saturne en Poissons du 2 mars au 31 décembre. Donc là, à nouveau, une petite difficulté pour vous sentir bien intégré, être sérieux dans ce que vous voulez faire, bien pragmatique, bien centré, avoir des objectifs sur du long terme. Mais il peut y avoir une petite difficulté pour vous sentir pleinement en assise avec vous-même. Donc ça peut créer voilà des légers blocages, mais c'est vraiment léger. Soleil quinconce, Jupiter en taureau également du 22 février au 13 avril, donc encore une fois un quinconce, donc aspect mineur. Vous sentez un peu dans des échanges, une volonté d'en faire beaucoup, peut-être un petit peu trop, être un peu trop à l'aise en vous-même avec les autres. Ah, puis il y a des légères dépenses au niveau matériel financier par exemple, donc il y a un peu une sorte d'excès qui se fait à ce moment-là. L'exagération, mais ça reste très léger. Donc c'est pas méchant, faut juste être un peu comment dire mesuré et revoir un peu certaines choses, pas voilà, ne pas trop en faire et de dépasser certains blocages. Ensuite, Soleil Trigone Jupiter en Gémeaux du 10 juillet au 10 septembre. Donc là, c'est plutôt un aspect favorable, positif. Pour les échanges, pour sentir vraiment bien dans sa peau, dans ses baskets, dans ses relations avec autrui. Beaucoup d'échanges très positifs. Vous sentez vraiment en adéquation avec les autres. Donc il y a vraiment beaucoup d'échanges qui se font. Des déplacements aussi. Donc un aspect de plutôt positif, très enthousiasmant, qui vous gratifie. Donc vraiment, n'hésitez pas à profiter de cet aspect parce que c'est vraiment positif. Ensuite, Soleil carré Mars en Capricorne du 18 au 31 janvier. Donc là, en revanche, attention au risque de tension nerveuse, vous pouvez vous disputer, avoir des conflits, des querelles. Donc ça peut être avec une autorité en Capricorne. Donc attention à ne pas rentrer en conflit avec autrui. On peut vouloir agir dans un but assez déterminé, mais ça peut parfois créer des inimitiés, donc par des conflits d'ego hein, vers une autorité, un homme, un père ou autre. Avec le soleil. Donc à voir à ce moment-là, donc soyez attentifs à cette période. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Verseau du 27 février au 10 mars. Donc là, en revanche, très bon aspect pour agir pour autrui dans une notion de collective, pour des réformes, pour refaire le monde, par exemple, dans des idées avant-gardistes. Donc on agit pour des choses universelles, on va dire, pour un collectif. Donc là, ça peut être bien pour des groupes. Avec les amis, tout ça, donc il y a des choses qui se mettent en place de manière intéressante pour vous. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Poissons du 5 au 18 avril, donc encore une fois, une légère tension qui peut se faire par rapport à certaines actions que vous pouvez imaginer ou idéaliser. Donc on peut se tromper par contre dans la cause auquel vous vous défendez, donc ça ne porte pas ses fruits forcément comme vous l'espériez. Ça fait un peu ce qu'on appelle un coup d'épée dans l'eau, mais c'est léger, hein, c'est pas fort, c'est un quinconce. Ensuite, Soleil opposé Mars en Bélier du 14 au 27 mai. Donc là, attention encore une fois au risque de tension, de conflit, d'opposition, de querelles, de disputes. Donc attention aux actions que vous allez mener, ce qui est des actions franches qui peuvent être mal vécues, donc des conflits d'ego. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Taureau du 23 juin au 6 juillet. Donc là, attention au risque de tension, encore une fois, mais légère, pour agir dans ce que vous voulez établir, dans vos actions de manière productive. Donc il peut y avoir des légères tensions, encore une fois, qui se font à cette période, mais c'est pas méchant. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Gémeaux du 5 au 20 août. Donc là, en revanche, très bonne énergie pour agir en fonction de vos idées, beaucoup de choses à mettre en place de manière pratique, pragmatique et astucieuse en Gémeaux. Donc il y a un côté très intelligent, cérébral à ce moment-là qui peut vous aider dans vos relations, dans des choses pratiques à mettre en place pour tel ou tel domaine de votre vie, hein, selon votre thème forcément. Ensuite, vous aurez le Soleil carré Mars en Cancer du 23 septembre au 12 octobre. Donc là, en revanche, attention, parce qu'il y a à nouveau des risques de conflit.
On peut avoir des mauvaises humeurs, de mauvaises humeurs. Mars en cancer, on peut agir selon les humeurs du moment. Donc, on agit avec ses émotions. Donc, si on est un peu touché émotionnellement, on risque d'agir en conséquence. Donc, ça peut créer des situations où on rentre en conflit de manière soit irrationnelle ou moins pas très réfléchie. Alors, ça dépend. Tout est subjectif selon le ressenti de chacun, forcément. Mais comme cette planète est en exil en cancer, donc attention au conflit. Alors, ça peut être en famille aussi, dans la famille, le foyer, mais pas que. Donc, soyez mesurés, encore une fois, faites attention à cette période. Ensuite, Soleil conjoint Lune noire en balance du 28 septembre au 31 décembre. Donc, là, encore une fois, aspect mitigé, hein, en bon aspect. Si cette conjonction reçoit des bons aspects, donc vous aurez des choses plutôt gratifiantes, une réparation, une sublimation au niveau. De choses, de manques qui peuvent avoir lieu dans vos relations, dans le couple, par exemple, ou bien dans la recherche d'une harmonie qui vous tient à cœur. Donc ça peut être bien vécu, il peut y avoir un manque qui est comblé à ce moment-là, mais en mauvais aspect de cette conjonction, vous pouvez subir par contre des manques assez douloureux, des zones d'ombre. Ça peut être dans le couple, dans vos relations, dans un rapport avec l'harmonie qui ne se fait pas. Donc il y a des choses à revoir, donc c'est un aspect un peu karmique, hein. Ensuite, Soleil opposé nœud nord en bélier du 1er janvier au 24 juillet. Donc là, c'est un aspect sur votre chemin de vie, vous pouvez vivre une dette karmique. Donc il y a des choses à revoir peut-être à ce moment-là dans votre vie. Ça peut être un rapport avec une dette envers un homme, un père, une autorité, mais pas que. Ça va être en vous, il peut y avoir un rapport voilà, qui vous. Alors c'est encore une fois c'est très général, mais selon votre thème, voilà, il peut y avoir des choses à revoir sur votre personnalité. Donc vous pouvez vous sentir un peu dépassé par les événements, avoir un problème d'affirmation à ce moment-là, ou être comment dire, trop conciliant, trop suiveur, ou trop. Et ça vous rendez compte que vous avez besoin de vous affirmer peut-être à un moment donné. Donc ça crée voilà, peut-être un problème à ce moment-là, donc à voir. Hein. Et enfin, Soleil opposé Chiron en bélier du 1er janvier au 18 avril et 13 novembre au 31 décembre. Donc il peut y avoir des risques de blessures par rapport à certains actes. Donc attention à ne pas à vous sentir blessé de manière physique, mais ça peut être aussi de manière spirituelle, intérieure, psychologique. Ça peut être des blessures de l'âme, donc attention à ce qui peut être fait, ce qui est dit, les rapports avec l'autorité, les actions un peu franches et directes, et qui peuvent parfois être un peu conflictuelles. Donc à voir à ce moment-là, selon votre thème, hein, dans quel domaine de vie cela tombe, tout ça. Donc voilà pour les deuxièmes décans du signe de la balance. Et donc enfin, donc les natifs troisième décan du signe de la balance, donc vos influences pour 2024, alors vous aurez le soleil carré Pluton au Capricorne du 1er au 21 janvier et du 2 septembre au 19 novembre. Donc là attention parce que c'est un aspect assez compliqué, hein, que vous avez peut-être dû déjà vivre ces dernières années, donc c'est, on va dire, c'est le dernier passage, hein, en gros. Un aspect un peu de destruction, de remise en question assez puissante, assez forte, assez compliquée, assez difficile à vivre. Donc notamment pour les derniers décans, hein, tout dernier fin du signe, hein, vers le 22, 23, 24 octobre, on va dire. Donc là, vous avez des choses à vivre de manière assez, peut-être encore compliquée à vivre cette année, à terminer. Et après, vous aurez plus ce problème-là l'année prochaine, hein, vous serez un peu libéré de tout ça. Bon, alors c'est vrai que ça peut créer, dans le pire des cas, des maladies, des ruptures, des problèmes de relations avec autrui ou autre. Avec un homme, un père ou une relation quelconque. Ça peut être dans plein de domaines de vie, mais voilà, il peut y avoir des choses à revoir, à remettre en question. Et c'est quelque chose qui dure depuis quelques temps, donc forcément, ça dépend du thème de chacun, hein. Ça peut être soutenu par des bons aspects, donc tout dépend de la puissance de cet aspect. Donc là, il faut faire un cas par cas après. Ensuite, vous avez le Soleil quinconce à Neptune en poisson toute l'année. Donc là, ça vous donne une légère dichotomie entre votre volonté, vos aspirations. Donc il peut y avoir un peu un trouble, une brume, quelque chose de pas très clair. Hein, au niveau de l'intuition, c'est pas optimal. Donc il peut y avoir des erreurs de jugement, on peut se tromper, être trompé dans le pire des cas. Donc problème d'intuition, de ressenti. Donc attention de ne pas se faire flouer, se croquer. Alors c'est léger, hein, c'est un petit aspect. Donc ça peut être un aspect juste d'erreurs de jugement, des petites erreurs, des petites choses mineures. Donc c'est pas trop grave.
Soleil quinconce sur Uranus en taureau, pareil toute l'année. Donc là, pareil, aspect mineur pour tout ce qui est en rapport avec l'indépendance, l'originalité, se démarquer, être un peu différent de la norme, sortir des sentiers battus. Donc là, il y a peut-être une volonté de se démarquer et ça peut être un peu vécu un peu de manière pas forcément évidente. On peut avoir comment dire, des résistances en face de soi, des choses à régler pour se sentir vraiment libre. Parce qu'on ne peut pas l'être totalement, bon, enfin voilà, mais ça reste mineur. Donc voilà, il y a certaines choses à revoir encore une fois. Soleil quinconce Jupiter en taureau du 14 avril au 25 mai, pareil, un aspect de 150 degrés, donc quinconce ou aspect mineur où vous voulez se sentir plus libre, indépendant et en même temps bienveillant, enthousiaste et chaleureux. Donc on peut en faire un peu beaucoup, on peut être un peu dépensier par exemple avec le taureau. Mais pas que, ça peut être. On peut abuser de la bonne chair, on peut se sentir un peu trop vaniteux, être un peu dans les excès. Bon, ça reste léger, donc ça va, c'est pas dramatique. Ensuite, vous aurez Soleil Trigone Jupiter en Gémeaux du 11 septembre au 6 novembre. Donc là, en revanche, c'est un très bon aspect pour les échanges, pour les relations. Tout se passe comme sur des roulettes, vous êtes bien apprécié, les échanges sont fluides, passent bien. Donc vous êtes enthousiaste, beaucoup d'échanges, de communication, de déplacements. Donc c'est un aspect vraiment bien vécu pendant cette période. Ensuite, Soleil sextile Mars en Sagittaire en ce début d'année, du 1er au 4 janvier. Donc début d'année après les fêtes où vous vous sentez efficace, il y a une action qui peut se faire de manière enthousiaste, de manière très, très enthousiaste, soit ouais, idéaliste. Donc c'est bien pour le sport, ça peut être bien pour agir en fonction de ses idéaux. Pour des voyages, pour des déplacements, donc il y a quelque chose qui se met en place qui peut être intéressant à ce moment-là. Soleil carré Mars en Capricorne, ensuite du 1er au 13 février, donc là en revanche, attention au risque de tension, de conflit, de querelle, on peut se disputer avec une autorité par exemple au travail, un Capricorne, mais pas que. Donc attention à la tension, là il faut se ménager et garder son calme et ses nerfs. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Verseau du 11 au 22 mars. Donc là, en revanche, bon aspect pour agir dans un collectif, dans une notion de groupe, ça peut être pour des amis ou plein de voilà, des relations. Donc on agit pour autrui et c'est bien vécu. Donc il y a bonnes choses qui peuvent se faire. Très bon aspect à concrétiser à ce moment-là. Soleil quinconce Mars ensuite en poisson du 18 au 30 avril. Donc là, aspect à nouveau de légère tension dans ce que vous voulez établir. Il peut se tromper dans la cause auquel vous croyez, que vous imaginez. Donc il peut y avoir des erreurs de jugement, coup d'épée dans l'eau. Donc ça peut créer une dichotomie, des petites incohérences, incompréhensions. Donc risque de légers disputes éventuelles. Soleil opposé Mars en bélier ensuite du 27 mai au 9 juin. Donc attention à nouveau au risque de tension, de conflit. Assez forte avec autrui, donc là on peut avoir des conflits d'ego, de l'agressivité, des querelles, donc ménagez-vous, soyez assez attentif à ce moment-là, assez prudent. Ensuite, Soleil quinconce Mars en taureau du 7 au 20 juillet, donc à nouveau des légères tensions pour agir dans tel ou tel domaine, ça peut être pour des domaines matériels, financiers, mais pas que, selon votre thème. Donc on peut avoir des légères différences d'idées, des querelles aussi, encore une fois, mais s'il reste léger. Soleil Trigone Mars en Gémeaux du 20 août au 4 septembre, donc là à nouveau très bonne énergie pour agir avec autrui. Vous avez plein d'idées que vous voulez mettre en place de manière concrète, beaucoup d'idées, beaucoup de. Vous êtes peut-être même dispersé, enfin il y a beaucoup de choses que vous voulez faire. Donc ça peut être bien pour se déplacer, pour voyager, beaucoup de contacts à avoir pendant cette période, donc c'est très positif pour vous à ce moment-là. Soleil carré Mars en Cancer, ensuite du 12 octobre au 4 novembre, donc là à nouveau risque de tension, alors peut-être au sein de la famille, avec le cancer, au foyer, mais pas que. On agit avec émotion, puis ça peut être mal vécu, mal compris. Donc attention au risque de tension avec autrui, on peut se disputer à nouveau, des querelles. Donc gardez votre calme et soyez mesuré. Et enfin, Soleil opposé Chiron en Bélier du 19 avril au 12 novembre, donc là. Peut-être un risque de blessure physique, morale, donc attention à ce que vous pouvez dire, se faire. Ça peut créer des choses un peu blessantes ou vous pouvez blesser aussi, donc soyez mesuré à ce moment-là, pas foncer dans le tas ou provoquer les choses pour mieux vivre cet aspect. Voilà, donc tout ce que je peux dire sur les trois décans du signe de la balance. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner.
Vous pouvez aussi me consulter, donc vous avez toute la description sous la vidéo pour avoir plus de détails pour me consulter. Donc voilà. Et puis quant à moi, bah, je vous dis à la prochaine vidéo pour le signe du Scorpion pour 2024. Je vous remercie, au revoir.